Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un bon programme, bras. Donc, j'espère que tu es prêt. Prépare tes haltères, prépare tout ce qu'il faut. Prépare ta barre aussi au cas où. Et on y va! Pour ce programme, on va se faire 4 exercices, bras. On va s'entraîner un peu en mode bodybuilder, d'accord? Donc, il y aura un peu de squeeze, un peu de contraction. Ça va nous faire du bien pour déchirer toutes les fibres musculaires et avoir des bras tracés. Ok, je le dis dès maintenant, il y aura un exercice, il sera à faire avec la barre, mais il y a une alternative avec haltère. Ça veut dire que si t'as pas de barre, c'est pas grave, tu peux prendre tes haltères, je le dis dès maintenant. Parce que je sais, je vous connais, oui, j'ai pas de. Tu pourras faire tes haltères, tu peux tout faire, ok? Je vais prendre mes EAA. Ça m'aide à bien tenir ma séance. Par contre, moi je les prends en gélule, tu vois, c'est mieux. Mais ces gélules-là, elles sont grosses. Tu vois, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Elles sont grosses, donc moi, je suis obligé de les mettre dans ma bouche et de les croquer comme des bonbons, tu vois. Bon, le goût, il est horrible. Je vais pas te mentir, le goût, il est horrible parce que ça se prend pas comme ça de base. Mais, voilà, je préfère comme ça, c'est plus rapide à prendre. Donc, EAA, tranquillement. Et on va commencer. Premier exercice, curl biceps avec la barre en trois temps. Avec la barre ou aux haltères. Moi, je vais prendre la barre EZ. Ça va vraiment nous fumer, ok? On va se faire 5 larges, 5 largeurs d'épaule et 5 serrés. Ok? À la barre. Si tu n'as pas de barre, et ben tu prends hop, les haltères. Ça va faire 5 comme ça, 5 comme ça et 5 comme ça. Ok? On va se le faire 4 fois avec 1 minute. Soit 20, soit 30 ou 1 minute de repos, on va voir, ça dépend de ma forme. Parce que je te cache pas, là je suis complètement KO. Allez, on y va. On part dans 5, 4 prises larges, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le changement de prise, on pose la barre. Les haltères, t'es pas obligé. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ok, on pose. Serré. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Partir de là, tu vas contracter au maximum tes biceps. Moi, j'aime bien croiser mes bras comme ça et on compte 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On détend tout petit peu. Moi, j'aime bien faire deux squeezes. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. On serre les biceps au maximum. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Voilà, temps de repos. Hop. Je vais prendre une 30 finalement. Une 30, c'est bien. Ah, les gars, ça faisait longtemps les programmes comme ça. Les programmes où je parle un peu. Parce que je sais que ouais, ça a été très demandé. Les gars, là, je vous cache pas. Là, j'arrive dans une période assez compliquée. Une période où. Je suis très fatigué, vraiment. Là, je reviens d'une séance jambes. Je reviens d'une séance jambes il y a 2 jours. Hier, j'ai fait une séance dos. Enfin, une grosse séance jambes. Hier, j'ai fait une grosse séance dos. Aujourd'hui, je te fais la vidéo. Sachant que je suis KO avec le travail. C'est très compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Après cette vidéo, je vais aller à la salle parce que je suis à mon cardio. Ma sèche commence maintenant. Cher Sabien, on a pris du poids, on est rond, on est plein. Mais voilà, on va sécher un peu histoire d'être bien. C'est important. Là aussi, je suis en plein déménagement, tu vois. Enfin, je me prépare à partir. Donc, il y a plein de travail que je fais pour partir. Parce que voilà, il faut mettre de l'argent de côté pour partir et être tranquille. Donc, je travaille énormément. J'accumule beaucoup, beaucoup de fatigue. Et c'est dur d'être constant et régulier sur YouTube. Vraiment. Non, on va bientôt partir là. 1 minute 20. Je bois une gorgée d'eau. Et on y va, c'est parti. Allez. On en fait 4. Allez. Enfin, 4 séries.
Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Pose la barre. On y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Ok. Prise serrée. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ok. On va squeeze tranquillement. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 10, 9. Serre bien les biceps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Deuxième, il en reste deux. Hop. Temps de repos. Hop. Et ouais, je prépare mon déménagement. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est quasiment sûr que je vais partir. Je partirai sûrement soit en août ou septembre. Donc pendant la transition, je partirai. Sur YouTube, ce sera compliqué, hein. Ce sera vraiment compliqué de faire des vidéos. Je vais pas faire de room tour ou de ouais, je fais un vlog de mon déménagement. Voilà, je vais pas le faire. Mais je vais changer de studio de tournage. Je vais changer de lieu de tournage. Pardon, je suis essoufflé quand je parle, c'est incroyable. Je vais changer de lieu, refaire tout ça, et là je te montrerai mon studio tour. Parce que oui, il faut que je te le montre. Je vais faire quelque chose de propre, normalement. Et après, dans la nouvelle ville où je vais aller, parce que là je quitte vraiment Paris, hein, je vais descendre dans le sud. Je vais vraiment faire pas mal de projets, pas mal de trucs. Franchement, tu vas kiffer. On va essayer de monter et faire des choses bien. Par contre, on reste des petits youtubeurs, donc je vais devoir aller dans le sud. Trouver un travail et tout. Là, j'ai pas de YouTube, tu vois. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de YouTube, donc ça va être compliqué, ça va être dur. Il y aura de la pression, il y aura du stress. Mais ça va bien se passer parce qu'on est là pour ça. C'est important et on va bientôt repartir. Hop. Allez. Tranquillement, même avec la fatigue, on fait ça bien. C'est parti, prise large. C'est la troisième, là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on pose là-bas. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on pose là-bas. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Fais un petit squeeze, cool. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On détend tranquillement. On va re-squeeze dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va en serrant au maximum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Je vais le temps de repos. Comme ça, mon petit rappel bras, ça me permet de le faire avec toi. Parce que là, en ce moment, je vais à la salle sans caméra, sans rien, pour être focus dans mes séances. Être bien. Je pense que je vais me filmer que les week-ends ou que pendant mes jours de repos. Et me concentrer beaucoup sur mes trainings, histoire de vider un peu mon esprit. Et de me mettre bien, de mettre un bon mood. Là aussi, je sais pas si tu me suis sur les autres plateformes, sur Insta et TikTok et tout. Je me suis mis sur TikTok. On va essayer de faire plusieurs formats et tout. On va voir.
J'aime pas cette plateforme, d'accord, mais je poste. Je vois ce que je peux en tirer de ça. Parce que financièrement, tu peux gagner des choses, tu vois. Donc, on regarde ce qu'on peut faire. Et puis voilà, les gars. Voilà. Que te dire de plus après tout ce temps de non-programme? J'espère que bah, tu kiffes toujours ces programmes, hein, que tu aimes bien te faire mal. Mais aussi que là, c'est que le début. Et qu'il y en a encore d'autres, parce que ouais, j'ai encore plein de programmes à faire, j'ai plein de programmes en tête, j'ai plein de choses à préparer. Et franchement, j'ai hâte de te les montrer. C'est juste que le temps, aller au travail et tout, c'est fatigant. D'accord? D'ailleurs, je vais te parler de mon travail après. Mon travail, il est bien, c'est toujours dans la sécurité, sûreté. Mais c'est bien. Allons, on y va. C'est parti, 1h30. Hop, c'est la dernière là, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on pose la barre. Hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Pose la barre. Hop, resserré, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Se prépare pour le squeeze. On y va. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On repart. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On a fait la quatrième tranquillement. Moi, je vais me mettre une petite minute de repos et on part pour le deuxième exercice. Deuxième exercice, d'ailleurs, je suis congestionné là un peu. Je suis bien. Deuxième exercice, on va se faire du curl biceps en prise marteau, prise neutre. C'est toi qui décides du nom, ok? Mais nous, comme on est des vrais, on se fait mal. On va rester 2 secondes comme ça, d'accord? Ça va faire une, deux, hop. Une, deux, une, ok? On va faire 10 reps. 10 reps avec 1 minute de temps de repos. Cette fois-ci, pas de squeeze, d'accord? C'est important, pas de squeeze là, c'est que on se détruit. On a fait le premier squeeze pour dire à notre corps aujourd'hui, c'est terminé. Là, on le massacre. Je vais mettre un peu de trois quarts parce qu'on verra bien mes bras comme ça. Allez, on y va. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1, 2. 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2. 1, 2, 10, ok. Les gars, ça va faire mal, je vous le dis tout de suite. Ça va faire super mal. On va pleurer ensemble, mais bon, ça qui est bon. On n'a pas le choix si on veut progresser. Il n'y a que ça de vrai, ok? Bon, un peu d'eau. Alors, mon travail. Je suis en sûreté transport. Sûreté transport, cette fois-ci, j'accompagne les bus. Alors, j'ai tout fait. En sécurité, j'ai fait tous les métiers. En très peu de temps, j'ai fait tous les métiers. J'ai fait la sécurité en gare, sûreté en gare. On était bien, j'ai les pare-balles et tout, nanana. Maintenant, c'est la même chose, mais en bus. Cette fois-ci, on a une voiture. Okay? Ça veut dire que on prend notre voiture, on suit les bus. S'il y a un problème, une intervention, on va au problème et on règle le problème. Ou on appelle la police si le problème, il peut pas être réglé par nous. Et ça, bah, c'est bien, c'est mieux.
on se repose un peu plus, enfin beaucoup plus que tous les travaux que j'ai faits. Et franchement, ben, niveau récupération, je suis bien. Je peux aussi amener mon ordi et travailler, donc ça, c'est vraiment très très bien de ce travail-là. Et là, on repart, c'est parti. Allez. Deuxième. Une, deux. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Une, deux. Quatre. Une, deux. Une, deux. Cinq. Une, deux. Une, deux. Six. Allez. Une, deux. Une, deux, sept, c'est rien. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok. Très bien, hop. Temps de repos. Par contre, les gars, au niveau des horaires. Je suis sur du 8h-16h, c'est bien, mais des jours de travail, c'est incroyable. Les gars, on est en juin, je vais faire 168 heures de travail. Mon planning, je suis planifié 168 heures. 168 heures. C'est incroyable. Azonner dans les bus avec un gilet pare-balles alors qu'il fait 30 degrés dehors, ça va être intense. Sachant que j'avais prévu. Je te cache pas pour ce mois de juin, te faire plein de vidéos, te faire plein de programmes. Je vais essayer de te les faire avec la fatigue, c'est pas grave. C'est pas grave. YouTube, ça me donne un tout petit peu de sous, mais ça me donne de quoi manger quand même et mettre de côté pour mon déménagement. Donc, je vais faire le nécessaire pour. Et ça me permet aussi d'aider les gens, d'accord? Donc, ça, c'est bien. Et là, on repart, c'est parti. D'ailleurs, c'est incroyable, hein? Je fais que de parler. Je me repose même pas, je suis encore plus essoufflé, mais ça fait mon cardio. Allez, on y va. Une, deux. Une, deux, une, c'est la troisième, les gars. Une, deux. Une, deux, deux. Une, deux. Une, deux, trois. Une, deux. Une, deux, quatre. Allez. Une, deux. Une, deux, cinq. Une, deux. Une, deux, six. Une, deux. Une, deux, sept. Une, deux. Allez. Une, deux, huit. Une, deux. Une, deux, neuf. Une, deux. Une, deux, dix. Là, je sens clairement les EAA, là. Les EAA, ils m'aident. Ils m'aident vraiment à tenir. Les EAA, comme j'ai dit, hein, ça permet de réduire la fatigue. Réduire la fatigue musculaire. Fais en sorte que tes séances durent plus longtemps. Ça, c'est bien. Quand tu as vraiment envie de te fumer, quand tu sens que tu es fatigué, quand tu sens que tu fais pas une bonne séance, les EAA, et bien entendu, tu as le code d'âme. Si jamais tu les prends sur MyProtein ou alors autre part, d'accord? Moi, il y a MyProtein, mais sinon, toi, tu peux trouver des EAA ailleurs. Tout dépend de toi. Si tu veux soutenir, aider, bah, tu as le code d'âme, ok? Sinon, bah, si tu as un bon plan ailleurs, prends ton bon plan, c'est important. En tout cas, on va assumer, hein, ces 168 heures, on va assumer, ça va être dur. Ça va me faire mal, les gars, ça va me faire mal, mais j'ai pas le choix. J'ai choisi des choses, je dois les assumer jusqu'au bout. Comme mon physique que j'ai envie d'entretenir. Allez, c'est la dernière, on fait ça bien, ok? Avec le sourire. C'est pas, on est là, on pleure dans son coin, allons, on y va. Une, deux, une, ok. Une, deux, on a une. Une, deux. Une, deux, deux. Allez. Une, deux. Une, deux, trois. Une, deux. Une, deux, quatre. Une, deux, c'est rien. Une, deux, cinq. On se transforme. Une, deux. Une, deux, six. Une, deux. Une, deux, sept. On se fait mal. Une, deux. Une, deux, huit. Une, deux. Une, deux, neuf, last. Une, deux. Une, deux, dix. Ok. Là, on est bien. Ok. On est rentré dans la séance tranquillement.
Je vais prendre une minute de repos tranquillement et on passe au troisième exercice. Troisième exercice, il va faire mal. On va prendre nos haltères, hop, en supination et on va monter en 3 secondes. Une, deux, trois. Ok? Je fais qu'une fois hein, pour l'exemple. Je ne vais pas te le faire 3 fois. Ça fait mal. Et on va se faire 8 fois. Ok? 4 fois 8 reps. Mais avec un squeeze encore. Pour le squeeze, on va peut-être faire celui-là. D'accord? Ça, c'est un bon petit squeeze. Donc, 8 reps, on monte 3 secondes avec un squeeze de 10 secondes à la fin, comme ça. T'es prêt? On y va en partant. 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. Oh, c'est incroyable. 8, ok. J'ai oublié le squeeze. J'ai oublié le squeeze, je l'ai esquivé. Allez, on y va. Double biceps squeeze. 10, 9, on serre bien fort. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Petit rappel, le squeeze permet de détruire beaucoup plus de fibres musculaires, avoir une meilleure qualité, un meilleur visuel. Allez, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Je suis KO. Hop. D'ailleurs, le temps de repos il est parti, donc il reste pas beaucoup de temps. Je vais rajouter un tout petit peu. J'ai rajouté 15 secondes de plus. On a fait le squeeze. Je suis désolé, hein, je sais pas si la police s'entend dehors, mais je suis dans une avenue où il y a beaucoup de voitures qui passent. Police, pompiers, ils passent par là et du coup ça fait du bruit. Donc je suis désolé par rapport à ça. Ouh. En tout cas, ouais, 168 heures, je vais être crevé. Je vais être crevé, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire plein de programmes, partager plein de choses. Certains programmes comme ce programme bras là que je vais faire pour moi, ben, je le partage avec toi. Je pense que je vais faire ça pour certains groupes musculaires. D'accord? Certains programmes, je vais les partager avec toi comme ça. On sera bien, ça fera du programme à faire ensemble. Et puis, on est bien. C'est parti pour la deuxième. Allez. On y va. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Deux. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8. On y va pour le squeeze. Allez. On se serre bien fort. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. On serre bien fort. 10, 9, 8, 7, 6, maximum 5, 4, 3, 2, 1. Ok, normalement, à la fin de ton squeeze, tu dois être KO, ça va te faire mal, d'accord? Ça c'est bon, ça veut dire que là, t'es en train de parler avec tes muscles, et c'est ça, c'est ce qu'on veut, d'accord? C'est ce qu'on veut. Je sais que, en salle de sport, il se peut que, ben, t'es du mal à le faire. Tu te sens un peu gêné de faire ton squeeze. Là, t'es chez toi en ensemble.
Donc, si t'as un mur devant toi, tu squeezes, fais-le. Personne ne te regarde, d'accord? On est là pour progresser. Je sais que le squeeze, quand t'es pas balèze, c'est ridicule. T'es là, t'es comme ça, t'as rien, mais c'est important parce qu'un jour, tu seras balèze. Et c'est grâce à ça aussi. Ça va t'aider à aller un peu plus vite, un peu plus loin aussi. Donc, fais ton squeeze tranquillement, je t'en tape des gens. Sachant que là, on est ensemble. C'est-à-dire que même moi, je te regarde pas. Tu vois, donc, tu fais tout ce que tu veux. Je fais ton entraînement slip. Je fais ton entraînement slip. Là, il fait chaud. Mais tu fais ce que tu veux. Tu regardes que toi et ton objectif. C'est important. Je bois de l'eau, j'ai soif. Mais ouais, les gars. Je suis mort. Je suis mort, mais. Je suis là. Les séances sont validées. Et après, on a du cardio à haute intensité. Sur, on a l'accord du battle rope. Je vais crier. Je vais. Mais je vais valider ma séance. Ok? Là, c'est la troisième. On part. On fait ça bien. Tu connais. Allez. On y va. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Deux. Fais ça bien. Allez. Une, deux, trois. Trois. Une, deux, trois. Quatre. On va jusqu'à 10 là. Allez. Une, deux, trois. Cinq. On a du retard. Une, deux, trois. Six. Une, deux, trois. Personne ne le fera à notre place, les gars. Sept. Une, deux, trois. Huit. Allez. Une, deux, trois. Neuf. Une, deux, trois. 10. C'est ça qui est bon. D'accord? C'est ça qui est bon. J'ai oublié squeeze encore. Allez, on y va. Allez. Maximum. D'accord? Fais-toi mal. Allez. Et 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On relâche. On part dans 5. 4. 3. 2. 1. On y va. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Temps de repos. Les gars, il en reste une, c'est la dernière. Là, je suis bien congestionné, c'est incroyable. D'ailleurs, j'essaye de faire un peu plus mes triceps à la salle. Parce que là, mes biceps, ils sont bien. Mais mes triceps, voilà, c'est le plus important pour avoir les gros bras. Donc j'essaie de les booster un peu plus. Peut-être que je vais faire cardio, rappel triceps. Je vais venir à la salle, triceps après, cardio. Sinon, merci par rapport au j'aime et à l'engagement qu'il y a sur ma dernière vidéo YouTube. C'est 5 conseils pour progresser, si je me souviens. Je suis désolé si c'est pas ça, mais je pense que c'est ça. Je vais essayer de mieux structurer mes vidéos, de prendre un peu plus mon temps, d'être moins focus sur la quantité, de faire des vidéos vite et tout, plus focus sur ce que je dis. Parce que faire beaucoup de vidéos de qualité, je peux le faire. Je suis un vidéaste, c'est mon métier, d'accord? Mon métier, c'est filmer des gens, mais aussi faire la sécurité, frapper des gens dans les transports. Donc, ça, je peux le faire, la qualité et la quantité. Mais. La structure, c'est quelque chose qui me manque. D'accord? Donc, j'essaye de mieux structurer. Là, les programmes, il n'y a pas de structure. T'es avec moi, on parle, on rigole et on se fait mal. D'accord? Mais pour mes vidéos standard YouTube, eh ben, on va faire attention d'avoir une meilleure structuration. Et je le vois dans l'engagement, je le vois dans tout. Que ça plaît mieux. D'accord? Donc, on va faire ça. 1 minute 30, c'est la dernière. Les gars, on repart. On fait ça bien. 10 reps. D'accord? 10. Rep, là je gagne un peu de temps. 10 reps les gars, ok? On y va. Allez. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 6. Une, deux, trois, sept, allez, une, deux, trois, huit, une, deux, trois, neuf, une, deux, trois. Ouh.
10. Squeeze, allez, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, fais ça bien. 5, 4, concentré. 3, 2, 1. Ok. On va plutôt partir dans 5, 4, 3, 2, 1. On serre bien fort. Allez, c'est le dernier squeeze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On est bien. Je vais quand même montrer. Et je vais prendre ma minute de repos tranquillement. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, tu as le choix entre soit le curl haltère en prise serrée ou sinon la barre ou la barre EZ en prise serrée. Bien entendu, on a une barre, on va prendre la barre, d'accord? Mais si tu n'as pas de barre, c'est pas une excuse pour rien faire. Tu prends tes haltères. On va se faire 12 répétitions, 4 fois tranquillement. Il n'y a pas de tempo, il n'y a rien, il n'y a pas de squeeze. C'est juste pour se finir tranquillement et être congestionné bien et valider la séance, ok? Du moins, le petit rappel. Allez, on y va. On part dans 5, 4, 3, 2. Pour rappel, la prise serrée, c'est celle-ci. 1, on y va, 12 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Hop, 1 minute 30 de repos. Et on va en faire 4. Mais bon, en tout cas, ça m'a manqué de faire ces petites vidéos au programme avec toi. Parce qu'il y a toujours ce moment où le premier exercice il est dur, après je rentre dans ma séance, je suis focus, et là je suis concentré pour parler. Donc là c'est bien, ça m'a manqué. Et j'espère que je trouverai le temps et la discipline pour te faire d'autres programmes. La motivation, je l'ai. L'envie, je l'ai. Mais ne pas écouter son corps qui est fatigué du travail effectué de la journée, plus de ce que tu as fait pour tes clients en montage, en tournage. Tu vois, aller à la salle, faire sa séance, revenir te faire une vidéo programme, ça c'est le plus dur, tu vois. C'est à ça que je me dis, vas-y, j'y vais. Ils ont besoin d'évoluer. Ils ont besoin. Moi je suis bien, même si j'ai des progrès à faire, mais les frérots ont besoin d'évoluer. Les femmes comme les hommes qui me suivent. Donc je vais faire ça pour eux. Je fais ça pour moi, mais je fais ça pour eux avant tout. Je fais ça pour vous, ok? On fait ça bien. Comme je l'ai dit et redit, hein, de base, ce concept, c'était une blague. Je voulais le faire juste deux fois pour rigoler. Ça a marché, j'ai continué, d'accord? Donc, c'est pour vous. On y va? C'est la deuxième, ok? On fait ça bien. 12 reps, on triche pas, ok? C'est parti. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Hop. Temps de repos. J'ai pas mis lourd aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas si mes charges t'intéressent. La barre est fait 10. J'ai 30 kg sur barre Z. Et 14 kg par haltère. Ça va, c'est pas très lourd. C'est suffisant pour ce qu'on fait aujourd'hui. Si j'avais été en forme, plus en forme, j'aurais peut-être mis 50 sur la barre EZ. Et peut-être 20 kg par haltère. Si j'avais été à ma forme complète. Je pense, enfin non, si ma forme complète c'est forme plus booster, là j'aurais explosé tout. Mais par contre, quand je suis comme ça, je peux pas parler dans mes séances, malheureusement. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que j'ai dit qu'il y a deux jours j'ai fait une séance jambe intense. Alors pour l'instant j'ai plus mal au genou, j'ai plus mal à l'articulation du genou, à ma rotule. J'ai pu faire mes squats et tout sans problème. Parce que je prends un complément alimentaire de MyProtein, The Joint il s'appelle.
Il est bien, il y a du collagène dedans, mais c'est pas le même collagène que ce que tu trouves chez MyProtein. C'est un complément, il est à 65 €, il est très très cher, d'accord? Donc, je sais pas si je dois le conseiller forcément, parce que il y a le collagène marin qui est une très bonne alternative en MyProtein, et moins cher, mais en tout cas, même fait du bien. Tu connais, je suis ambassadeur MyProtein, donc j'ai des privilèges, d'accord? Mais il est très très bien le produit, il me fait du bien. Articulairement parlant, il est bien de fou. J'aime pas si ça se dit, mais je m'en fous. Et là, on y va parce que c'est la troisième. Allez. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Allez. Onze. 12. Ok. On y va. Donc, je reprends les jambes vraiment énervées. Je vais essayer de faire deux séances jambes dans la semaine. Même si que là, je suis en les courbatures de ma séance. C'est incroyable. Mais vraiment, faire un focus quadri-ischio. Et la deuxième séance jambes, ça va être plus un focus ischio et un tout petit peu les fessiers, d'accord? Histoire d'être bien. Ce que je prépare, enfin je prépare, comme je t'ai dit, hein, j'ai envie de refaire un club de sport et j'hésite entre le foot ou le football américain, juste pour me donner à fond. Et le muscle des fessiers va être important pour moi, je suis quelqu'un de très rapide qui court vite de base, donc j'ai besoin de mes jambes en or. J'ai besoin qu'ils soient au meilleur niveau, qu'ils puissent l'être, d'accord? Parce que voilà, j'ai envie de me challenger, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie de faire les choses bien. Et je sais que par le travail, j'arriverai. Si j'avais cette mentalité-là beaucoup plus jeune, beaucoup plus tôt, je serais déjà loin. Mais c'est pas trop tard. Rien n'est trop tard. Donc, je peux me mettre dans un mood où, dans 30 ans, 40 ans, ben, je regretterais de pas m'avoir donné à fond aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut avoir aucun regret, faire les choses bien. Faut avancer, les gars. C'est important. Et là, c'est la dernière. On fait ça bien. On va faire 15 reps parce que c'est la dernière. T'as intérêt de faire les 15 reps avec moi, tu peux boire de l'eau. Là, on a dépassé le temps. C'est la dernière, 15 reps. Ok? On fait ça bien. C'est les bras, c'est important. On a besoin des bras, d'accord? On y va et commence à faire chaud. Allez! 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Là, on est bien, on est bien. La séance est validée. Du moins, le rappel est validé. J'espère que tu as pu kiffer cette séance. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir. Avec un pouce bleu, c'est important. Roi tout 20 000 abonnés. On arrive aux 20 000 abonnés. Ok? Merci beaucoup pour le soutien. Mets un commentaire. Dis-moi que tu as fait la séance. Tu as bien ressenti. Tu as kiffé et tout, c'est important. Je dois le savoir, d'accord? Ça permet de m'améliorer ou de durcir certains programmes ou les prochains programmes bras à venir, ok? En tout cas, moi je vais te laisser ici. Je veux dire, porte-toi bien, utilise le code DAMS sur MyProtein et à la prochaine pour la suite.